Alors, c'est sûr, je peux lui annoncer? Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, je suis Valérie. Ça y est, la Valentine, t'es présidente de la République. Dans un an, il me chanterait des tomates. Mais non, ma chérie, t'aimes trop. Bon, le moment est venu de récompenser mes amis de la première heure. Charlotte? Oui? Je te nomme ministre de la communication, j'en étais sûre. Des territoires d'outre-mer. Mais, tu fais ta valise et tu te casses. Où ça? Au bon bout, à Terre de Feu, Pont du Chéri, où tu veux du moment que c'est loin. Oh ben c'est bien, tu vas voyager gratos. Oh toi, t'as rien demandé. Léo. Tu prendras le secrétariat d'État à la condition féminine. Oh, patron, je mourrai à la tâche. Quant à vous, Thomas, vous serez mon attaché particulier. Mais c'est trop d'honneur. Montrez-moi votre attachement. Qui va gagner aux prochaines élections? Ouais, j'en sais rien, je sais même plus pour qui voter. Moi, ce qui me brancherait, c'est de m'occuper d'un candidat. Renouveler son image. Ouais, ben, c'est surtout leur discours qu'il faudrait renouveler. Par exemple, vous me confierez la campagne de Robert U. Et ben, je te le reloue complètement, moi. Genre? En premier, je lui rase la barbe. Deuxièmement, je lui colle une moumoute. Très classe, façon Elton John. Une heure de muscu tous les jours. Une cure de thalasso, 15 kilos en moins. Tête à l'honnête, 15 cm en plus. Je look italien. Et puis alors pour le fun, des lentilles bleues façon Alain Delon. Un nouvel homme. J'arrive pas bien à visualiser. Mais évidemment, il faut un petit peu d'imagination. Oui, ben là, il en faut vraiment beaucoup. Et puis le look, c'est pas tout. Crois-moi, en politique, comme ailleurs, le look est essentiel. Alors si j'avais 30 cm en moins, plus de cheveux, du bide et un pantalon intégral, tu m'aimerais toujours? On va dire joker. Hein. Alors supposons. Je me présente aux élections. Qu'est-ce qui change? Rien. Même pas un petit quelque chose? Si, peut-être. Je ferai considérablement renforcer ton service d'ordre. N'oubliez pas de respirer. Tu as vu ce que je viens de voir? Oui. Valentine vient de traverser le salon. Non, Valentine était habillée. Elle était habillée en femme. Oh, sans blague. Ben voilà, tous les mêmes. Cette fille partage ton appartement. Tu la vois tous les jours et tu n'as rien remarqué. Et d'où l'avantage de ne pas vivre ensemble, bébé. Oui, bien sûr. Tu n'as même pas vu que je m'étais acheté de nouvelles chaussures. Putain, d'ailleurs, je suis sûre que tu ne te souviens même plus de ce que je portais lors de notre premier rendez-vous. Ah oui, mais là, j'ai une excuse. Ce jour-là, je voyais que tes yeux. Tu t'en tires bien. Mais pour Valentine aussi, j'ai une excuse. La change de look pour un oui pour un non. Et... Tiens, Valentine, j'étais justement en train de dire à Charlotte que vous avez beaucoup changé. C'est vrai, vous disiez ça? Oui, à peu près. Oui. Vous avez trouvé un job? Mieux que ça, une passion. Oh, il n'y aurait pas une histoire de mec là-dessous? Bonne pioche. Et comment s'appelle le bienheureux? Robin. Mais c'est pas tout. Vous allez être surpris. Vous allez vous marier? Allez, raconte. Non, désolé, il faut que je file, mais la suite au prochain numéro. Au revoir, les amoureux. Tu vois pas qu'elle passe devant le maire avant nous? Ce serait drôle. Tordant. En tout cas, elle est resplendissante. Mmh. Ouais. Quoi tu penses? Hey, quoi tu penses? À Valentine. Mais je me demandais ce qu'elle nous réserve. Avec elle, c'est vrai qu'il faut s'attendre à tout. Mmh, oui.
D'après Charlotte, il faudrait reloquer tous les hommes politiques. Tu vois Balladur en perfecto et Jospin défrisé, moi j'avoue j'ai du mal. Tu sais, de toute façon tu pourrais les déguiser en schtroumpf, mais bah, ça changera rien, hein. Ils sont pas plus excitants. Non, ce qui manque en politique, c'est des femmes. Des femmes sexy, tu veux dire. Bah exactement, moi Vanessa Demouy se présente, et bah je milite. Ouais, mais homme ou femme, de toute façon ils font jamais le dixième de ce qu'ils promettent alors. Bon oui. Tiens, moi à leur place, et bah je leur promettrais une augmentation du chômage, moi je serais sûr de tenir mes promesses. Je ne le crois pas, c'est incroyable! Vous avez lu le journal? On n'a pas le temps de déborder. Oui. Vous ne devinerez jamais. Quoi, Saddam Hussein milite pour Greenpeace? Je suis très sérieuse, Thomas. Ah, Boris Essine s'est mis à l'eau minérale. Vous rirez moins quand vous saurez. Mais pourquoi ça nous concerne? Ça nous concerne. Oh, voilà. Ça c'est marrant, on dirait Valentine. Ouais. Valentine Léger en chair et en photo avec un article en prime. Valentine Léger, passionnariat des écologistes, la jeune protégée de Robin Honorati, leader du mouvement écologiste radical. Mais qu'est-ce que ce truc? Mais attends, fais voir. Et c'est tout ce que ça vous inspire? Bah, qu'est-ce qu'on dit? On est comme toi, on est... Bah oui, on est sur le... Enfin, on y est, quoi. Non, mais quand même, Valentine, candidate, avouez que c'est complètement incroyable. Elle est totalement incompétente. Oui, remarque, ça c'est courant en politique. Je crois que dans 50 ans, dans tous les dictionnaires, à côté du mot surprise, il y aurait une petite photo de Valentine. Je suis sûr que des fois, ça surprend elle-même. Elle est vraiment incroyable. J'aimerais bien savoir par quel miracle elle est arrivée là. Eh ben ça, c'est simple, tu n'as qu'à lui demander. Oui, mais on a intérêt à faire très vite, hein, parce que alors, maintenant qu'elle est en couverture, elle passe plus les portes. Allô? Ah, ben justement, on a vu... Ah ben oui, on est... oui, vous êtes pressé, oui, quoi? Ah bon, oui. Ok, au revoir. Alors? Mais alors, elle nous invite à dîner pour nous présenter Robin. Oh. Mieux en mieux. Et puis après 10 ans à parcourir le monde, je suis rentré. Passionnant, quel parcours. Et quand est-ce que vous repartez? Pas de si tôt. J'ai trouvé une raison de rester. Ah voilà. Donc ton engagement est avant tout sentimental. Aussi je me disais comment quelqu'un d'aussi inexpérimenté en politique... Nous sommes un parti jeune, nous avons besoin de recrues comme Valentine. Ah ben ça promet. Ce qui me plaît chez elle, c'est... son calme, son assurance. Valentine? Croyez-moi, sur le terrain, elle fait merveille, elle nous apporte une foule d'idées nouvelles. Oh, ben alors ça, j'en doute pas une seconde. Là. Excusez. Et c'est quoi ces idées nouvelles? Eh bien, nous voulons rendre nos villes plus humaines et plus solidaires. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oui, mais chez nous, ça a un sens, Charlotte. Notre objectif est d'accroître le BNB, le Bonheur National Brut. C'est vrai, regardez un petit peu autour de vous, les gens vivent tous comme des robots dans leur petit univers. Donc, il faut leur offrir un espace vital pour qu'ils puissent s'exprimer et s'épanouir. Rendre les rues aux piétons et aux cyclistes. Valentine. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est vraiment la reine de l'improvisation tout terrain. Je comprends pas pourquoi elle galère encore dans les castings. Regardez, même Thomas, elle l'a bluffé. Vous avez vu sa tête? Seulement, je crois qu'avec Charlotte, ça va faire comme des étincelles. C'est pas un peu démago tout ça? Tu trouves pas, mon amour? Non, je trouve ça plutôt original. Merci, Thomas. J'espère que vous viendrez à nos meetings. Oui, pourquoi pas. Tenez. Un cadeau pour vous. Merci. La mer sauvera la terre. Original, ce slogan. Vous intéressez de près à la politique, Charlotte? Oh, elle n'est pas intéressée, elle est passionnée, accro. D'ailleurs, son rêve, c'est de manager un candidat. Vraiment? Bah, c'est-à-dire que je trouve que les hommes politiques ne font pas assez attention à leur image. Entièrement d'accord. Regardez-moi, je fais tout pour casser l'image folklorique qu'on a des écolos. Celle du bab qui roule en 2 chevaux et qui fait son fromage lui-même. C'est réussi. Oui? Tu crois qu'il marche à l'énergie solaire, son portable? Ça suffit. C'est vrai? Très bien, merci. Valentine, j'ai une très bonne nouvelle. Nos amis souhaitent que tu conduises une liste aux prochaines élections. Moi? Elle? Tu vas créer la surprise, je suis sûr. Oui, c'est déjà fait. Charlotte. Oui. Je crois que vous avez trouvé votre candidate. Valentine, candidate. Candidate potentielle. Oui, bah c'est pareil, hein. C'est un cauchemar, je rêve. Aïe! Mais non, c'est bien la réalité, va falloir t'y faire. Non, mais c'est une gamine. Elle ne connaît rien, elle ne sait rien. T'as d'ailleurs, ce qu'il a défini le mieux, c'est rien. Évidemment, s'occuper du beau Robin, ça aurait été plus gratifiant. Je me demande comment un homme aussi fin, aussi intelligent, aussi... sûr de lui, prétentieux, démago et... Oui, mais c'est un homme politique, lui, un vrai. Ah oui, mais c'est bien ça que je lui reproche.
Comment il peut craquer sur une fille comme Valentine? Moi, ça me dépasse. Ouais, ben moi, je me demande plutôt ce qu'elle lui trouve. D'autant qu'elle est plutôt mignonne. Oui, ben alors ça... Enfin bon. Mais justement, quand on est mignonne, on fait pas de politique. On est hôtesse, serveuse, caissière. Voilà des jobs pour elle. Et pourquoi t'es si négative? Tu voulais aider un candidat, voilà une bonne occasion. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? Cette fille mélange tout. Le travail, le sentiment. Tiens, d'ailleurs, elle sera amoureuse d'un maçon, elle est en train de faire des chantiers. Moi, je t'ai trouvé plutôt convaincante. Tu vas pas me dire que tu serais prêt à voter pour elle? Ben oui, pourquoi pas. Alors là. Quand je pense que mon mec, le futur père de mes enfants, serait prêt à voter pour... Pour une fille honnête et pleine de bonne volonté. Non, c'est vrai, je suis un peu injuste avec Valentine. Elle est humaine, pleine de bonne volonté. Elle sera jamais élue. Mais elle a tout ça. Non, en fait, il lui faudrait quelqu'un pour l'épauler, une sorte de grande sœur. Une fille compétente, pleine d'assurance, un peu comme moi. C'est clair, sans moi, elle court à la catastrophe. Son destin est entre mes mains. Allez, tu l'enlèves ton col roulé, là. Je sais pas. Oui, bon, je sais. Val, tes mains. Tes jambes. Règle numéro 1. Tu respires à fond et surtout, surtout, tu te détends. Pas de problème, je suis super cool, tout va bien. C'est pas ta première télé, rappelle-toi. Charlotte, un couple en or, c'était un jeu télé, pas une émission politique. Et puis alors, rappelle-toi, j'ai perdu en plus. Oui, c'est vrai. Bon. Pour ton première interview, tu ne t'occupes de rien. Tu as une règle à respecter, la règle des 3 C. Qu'est-ce à cause? Calme, concis, crédible. Calme, concis, crédible, c'est pas sorcier. T'es prête? On y va. L'écologie, c'est pas un peu dépassé? C'est vous qui êtes dépassé. Ah non, 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 Valentine, ça va pas. T'es beaucoup trop agressive. Tu trouves, là? Mais on dirait que tu vas les mordre. Souris. Mieux que ça. Valentine, je vais voir tes dents. Pense à celui que tu aimes. Voilà, ça y est, on tient. C'est vous qui êtes dépassé? Mais non, tu fais de la politique, tu vends pas des aspirateurs. Voilà, ça y est. Allez, je te coupe, vas-y, go. C'est quoi la question? Oui. L'écologie dépassée. C'est vous qui êtes dépassée. C'est quoi cette voix de canard? Bon, écoute, Charlotte, tu me laisses finir. Eh ben voilà, j'en étais sûre. Mademoiselle ne supporte pas les conseils d'une pro. Mais ça n'a rien à voir, mais si tu me coupes à tout bout de champ, j'y arriverai jamais. Hein? Bon, on va passer aux détails et on reviendra sur la question après. Hein? Ah, les détails, quels détails? Eh ben, comment tu vas t'habiller, par exemple? Ah oui. Eh bien, je vais mettre mon petit ensemble vert. Ça te donne mauvaise mine, le vert. Bah, ma petite jupe bleue. Mais beaucoup trop court, on dirait une majorette. T'es pire que ma mère, toi. Bon, j'y vais comme un poil. Tu ferais un bon score. Non, je plaisante. Non, il faut trouver une tenue qui fasse à la fois sexy, sport, crédible, mûr, habillé, classe. Ouh, rien que ça. Bon. D'accord. D'accord. Dernière recommandation. Pas de gestes brusques, pas de signe de nervosité. Tu ne dois jamais avoir l'air méprisante, naïve, suffisante. Et ça en fait des choses à se rappeler, hein, c'est fou. Sois toi-même. Pourquoi tu me prends le chou depuis une heure si je dois être moi-même? Mais parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Tu sais, c'est pas gagné d'avance. Je la connais, moi, Pradi, la journaliste qui va t'interviewer. Elle ne supporte pas les filles. Et encore moins les belles filles. Ah. Ça me fait beaucoup de bien tout ce que tu me dis ici, oui. Mais c'est normal, ma chérie. Je suis là pour t'aider. Ah, ça va commencer. Tu t'assois pas? Je suis assise. Attends, nous la blague. Nous accueillons ce soir un nouveau visage, Valentine Léger, du mouvement écologique. Qu'est-ce que c'est cet ensemble, là? C'est nu, ça, la vieille. Mais ben, c'est mon idée. Ça la rend plus crédible. Ah, ben, c'est une bonne idée. Je vais aller le dire. Au-delà de tous les grands problèmes... Les crispés. C'est normal. Il y a un quotidien à gérer. La vie d'une cité, d'un arrondissement. Mais non, une pro doit jamais montrer qu'elle est crispée. Oui, c'est ça, ma chérie, détends-toi. Oh, puisque ce maquillage, une tonne de maquillage. Pas la peine de demander pour qui vote la maquilleuse. Attends, elle parle. Navré de vous contredire, mais ce que vous dites est faux. Et toc, alors ça, c'est envoyé. Elle sait pas faire. Oui, c'est ma tactique, hein. Pas de roue d'observation, faut y aller direct. Mais chut. Vous êtes vous-même candidate. Ah, ma question vous fait rire. Vous trouvez cette éventualité ridicule? Vous ne vous sentez pas de taille? Ça, c'est vicieux comme question. Ne t'inquiète pas, on a tout prévu. D'un grand journaliste comme vous. Soyons conscients.
attentif à notre époque. Voilà comment nous réussirons à enrayer les problèmes comme ceux dont nous venons de parler. Merci, Valentine. Oh. Vous avez vu le travail un peu? Elle est sous le charme, la Pradier. Je croyais avoir à faire une gamine. Ouais, et t'as vu sa conclusion? Le mélange de charme et de caractère. C'est ma Valentine. Elle a été royale, elle a marqué des points. Mais grâce à qui? À toi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, là, faut pas s'emballer, hein. C'est pas gagné. Tu sais, ça, c'est comme avec les nanas. Hein. Tu dis que ça marche impec, tu dis, oh, il y aura deux bols au petit déjeuner, tout ça, puis tiens, hop, rien du tout. Hein. Le big gamel. Hein. J'ai dit une bêtise, là? L'assistante de Pradier, alors, oui. Elle est comment? Elle est jeune? T'as pas une photo? Désolée, non, j'ai pas. Ah bon? Bah, et la maquilleuse? Voilà, maquilleuse, t'as son numéro de téléphone, t'as quelque chose? Ouais, je te promets, Léo, la prochaine fois, je fais une télé, je prends les coordonnées, toutes les fictions sur le plateau, ça va? Sympa. Ah si, sympa. Sympa. Bon, les petits lots, je file, j'ai rendez-vous avec Robin. Ah, dans une heure, préparation de la conférence de presse, Valentine. Ok, à tout à l'heure. Bah moi, je vais prendre une bonne douche brûlante, et puis glacée ensuite, et puis j'irai me rouler dans les glaçons, et je suis sûre qu'après, je serai réveillée. Tu sais ce que je ferais, moi, si Val se présente? Bah, tu sais ce que je ferais? Tu voterais pour elle. Ouais, et puis même en plus, je crois même que... tu collerais même des affiches, hein? Exactement. Ben, moi aussi. Ah là, oui. C'est pour Val. C'est la radio. Oui. Non, je suis... Il va le rendez-vous. Non, je suis... Sa secrétaire, Victor. Son secrétaire, oui. Ah, un débat de quoi? Trouve-moi un agenda, toi. Allez. Agenda. Oui. À quelle heure? Oui, 14h30. Alors, 14h30... Quel stress, ils sont speed à la radio. Oh là là, ils vont faire sauter le standard. Tiens, prends-le, parce que moi... Allô? Allô? Oui? C'est F comme femme. Le magazine? Oui? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, vous savez que j'adore votre journal, hein, surtout le supplément lingerie. Oui, j'ai la voix grave. Ah oui, c'est normal, je ne suis pas Valentine. Voilà. Ah, vous voulez un rendez-vous? Un rendez-vous? Ah, d'accord. Oui, merci. Écoutez, c'est votre numéro personnel? Ah, oh là là, oui, c'est noté. C'est gravé sur la table. Oui, eh bien écoutez, au revoir. Hein. Au revoir, Pauline. Elle s'appelle Pauline. T'as l'air de bien débrouiller, moi je vais prendre un bain. Ah bon? Mais il y a déjà Charlotte. Raison plus. Ok, d'accord. Oui. Oh ouais. Attends. Allô, oui? Oui. Ah non, mais celle-là, ça va être dur, hein. Ah oui, parce qu'elle elle est débordée. Alors, surtout ce jour-là, hein. Oh là là. Oui. Écoutez, là, oui, 10h, elle a une conférence au Jardin des Plantes. Midi, elle a un rendez-vous avec une personnalité très importante. Ah, je ne peux pas vous dire qui. Ah non, je ne peux pas. 14h, distribution de tracts au supermarché. 17h, non. 19h, non plus. Écoutez, j'ai un petit créneau vers 22h30. Ça vous dirait? Eh ben, on fait comme ça. Eh ben, c'est parfait. Au revoir. Dis-moi, Léo. Thomas m'a dit que tu avais pris des rendez-vous pour Valentine. C'est à moi de faire ça, je suis sa directrice de campagne. Ah bah, oui, mais... Ah, laisse faire une pro. Allô, oui? Oui? Pardon. Mais vous êtes qui? Allô? Évidemment que j'ai une cuisine. Mais non, madame, j'ai pas besoin de cuisine neuve. Allô? Oh. Allô? Oui? Mais vous êtes qui? Alors, t'as vu l'émission hier? Oui. Après deux réunions, pour ce que j'ai vu, ça avait l'air bien. On m'a dit que t'as fait bonne impression. Bah, tu n'étais pas dans ton poste. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Tu connais Jean-Marc? C'est lui qui va s'occuper de ta campagne. Et Charlotte? J'ai réfléchi. Elle est très sympa, hein? Mais pour la suite, ils te font un pro. Mais je m'entends bien avec elle. Jean-Marc connaît toutes les ficelles. Avec elle, t'as aucune chance. Bon, et tu crois qu'ils pourraient travailler ensemble? Ce serait une perte de temps pour lui. T'as l'air déçu? Bah oui, forcément, ça se passe jamais comme on voudrait. Mais toi, tu pourrais t'occuper de moi. J'ai ma propre campagne, tu sais, ça prend un temps fou. Ah bon, je comprends. Bah oui, mais ça veut dire qu'on va moins jouer. On n'a pas le choix. Bah tu viendras à mes meetings quand même.
vaut mieux éviter qu'on nous voit ensemble trop souvent. Ok, j'ai compris. On ne rappelle pas comme ça. Quand on est en politique, enfin quand on est en campagne, le reste ça passe au second plan. Écoute Robin, j'ai jamais fait de campagne de ma vie. Et le reste, comme tu dis, pour moi, c'est très important. Tu es trop sentimental. En politique, il faut faire attention aux rumeurs. Ça pourrait nous coûter des voix tous les deux et en plus, il y a un temps pour tout. Paraît que les échecs font mûrir. Bah alors là, j'ai pris 20 ans d'un coup. Qu'est-ce que j'ai pu être naïve alors, zut. Mais ça, c'est tout moi. Je me lance et je me ramasse. Mais finalement, la politique, c'est pas du tout un monde pour moi. Non. Mais qu'est-ce que je vais dire à Charlotte et à Thomas maintenant? Que candidate et amoureuse, c'est incompatible? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien voilà, je prends mes affaires, ma personne, je m'en vais, je sors d'ici et je sors de ta vie, Robin. Écoute! Ah, tu me lâches. Toi qui avais si peur de perdre des voix, eh bien tu viens d'en perdre une. Mais j'espère que pour la suite tout ira bien, que tu seras élu, puisque c'est tout ce qui compte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On a du travail, nous. Oh, bah écoute, laisse-la souffler un peu, quand même. Elle soufflera après être élue, pas avant. Ah ben enfin, te voilà. Valentine, vous allez être contente, on vous a rempli votre agenda. Oui, on t'a même trouvé un rendez-vous avec Pauline Guérin pour F comme femme. Gentil, merci. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Désolée, je traverse une passe difficile. Bah oui, les garçons, hein, les filles, elles sont comme ça, elles sont cyclothymiques. Un jour ça va, un jour ça va pas. Valentine est un peu fatiguée, angoissée. Une petite heure de repos et ça ira mieux après. Bon, écoutez, je laisse tout tomber. Oh, alors là, elle a vraiment l'air déprimée, là. Faites pas ça, on croit en vous. Oui, et puis, Robin, qu'est-ce qu'il en dit? Il avait misé sur toi? Eh ben, il a eu tort, voilà. J'étais pas le bon cheval. Tu lui as quand même pas dit ça? Si. Ah non, Valentine, moi, je te comprends plus. Pour une fois que tu tombes sur quelqu'un de bien, ambitieux... Ah, ça, bah ça, ah, pour être ambitieux, ça, il est ambitieux, parce qu'il est prêt à tout pour être élu. Mentir, me laisser tomber, et toi, alors toi, te remplacer par un vrai pro. Il a pas dit ça. Vous avez rompu? Oui. Je pense que nos relations, ça peut lui ôter des voix, vous voyez? Donc, faut se cacher, faut pas se montrer en public, la main dans la main, machin. Moi, ça me dépasse. Non, mais attends, te fatigue pas, on te connaît. Mais je vous l'avais dit tout de suite, c'était pas un mec pour vous. Moi, pas professionnel, mais il manque d'instinct. Tu vas voir, c'est lui qui va se planter. Thomas, la prochaine fois que je tombe amoureuse d'un mec, je vous le présente. Et s'il vous plaît pas, il vire direct. Oui, ça sera bien ça. Bon, ben maintenant il va falloir annuler les journalistes. Ben je m'en occuperai. Bon. En tout cas, je vous remercie de m'avoir soutenu. Hein. C'était sympa. Oh Léo. Oh Léo. Faut pas faire cette tête, hein. Faut pas prendre ça trop à cœur. Oh ben oui, enfin, une fois que j'ai eu l'occasion de voter, je sais pas moi. Et puis en plus. Pas quoi? Avec tout ça, moi, je saurais jamais à quoi elle ressemble, Pauline Guérin. Oh. Bah quoi?